Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Attendez, je remets ma couverture parce que j'ai froid. J'ai froid. Il est 7h25. Et je prends très tôt, hein, mais je suis réveillée depuis 3h ce matin. Voilà, ça vous situe la chose. Donc je suis déjà prête à aller filmer ma vidéo. Je continue ma série des palettes astrologiques, donc peut-être que vous pourrez deviner laquelle je tourne aujourd'hui. Donc les cheveux, la tenue, je ne sais pas. Voilà, bref. Donc là, j'actualise pour voir si jamais je recevrai mon deuxième colis Shein aujourd'hui pour pouvoir aller pour pouvoir filmer la suite du haul et vous le poster demain. Si c'est pas aujourd'hui, je pense que ça sera demain ou mercredi. On verra bien. De toute façon, ça serait bien que je l'ai cette semaine, comme ça je peux vous mettre le haul en bonus cette semaine et pas attendre la fin des séries astrologiques, enfin de la série astrologique. Donc voilà, et on pourra crash tester toutes nos petites nouveautés, enfin toutes mes petites nouveautés en vlog. Voilà, ça sera un vlog crash test. Demain on crash testera ça. Faut juste que je trouve pour les piles. J'ai pas regardé encore, il faut que je regarde. Et voilà. Donc, mon petit week-end, bon, écoutez, ça a été très glandage, voilà. Le vendredi, j'ai tourné la première partie du haul Shein et j'ai essayé de faire une sieste, mais ça a vraiment été une micro-sieste. J'ai pas réussi à dormir, même pour la sieste. J'arrête pas de faire des insomnies en ce moment. Samedi, on a fait le live, donc je vous le remets la rediff en barre d'infos. Et du coup, les abonnés qui étaient présents m'ont demandé pour les Queen of the World. Du coup, comme voilà, par question de principe, je ne fais plus les Queen of the World puisque ce n'était pas une idée à moi et que je ne parle plus à la personne, enfin que la personne ne me parle plus, qui a eu l'idée, je ne trouve pas correct de continuer une série qui ne venait pas de moi. Mais du coup, vous m'avez donné l'idée de faire les Queen sur un thème imposé, que vous m'imposez. Et voilà, donc vous m'avez déjà donné plein de thèmes sur Insta, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Il y a eu, le premier, ça sera donc pour le nouvel an chinois, ça sera la Queen of the Tiger, les tigres. J'ai eu fleurs, j'ai eu étoiles, lune, strass, musique, papillon, enfin il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être des thèmes qu'on peut bien... je vais pouvoir bien m'éclater et ça sera des queens aussi. Sur un thème un peu plus défini, enfin moins défini qu'un pays, ça sera plus vaste. Donc voilà, je trouve ça sympa. Je sais que c'est une série que vous aimiez bien regarder et que moi j'aimais beaucoup tourner. Mais voilà, j'ai des principes et je reste campée sur mes principes. Donc voilà pour ça, et le dimanche, donc j'ai eu une grosse insomnie. J'ai été me coucher, il était 4h30 au matin, et à 8h30, je t'ai réveillée. Voilà, donc j'étais crevée toute la journée. J'avais programmé une journée de glandage, mais finalement, j'ai pas fait que glander, j'ai quand même fait un montage. Je suis pas restée à rien foutre. Et voilà pour mon week-end, donc c'était pas... voilà, c'était pas folichon. Mais j'en avais un peu besoin. Il n'y a que hier que j'ai pas filmé. Il n'y a que le dimanche que j'ai pas filmé. Et voilà. Là, je vais continuer ma petite série des vidéos d'Halloween. Parce que d'Halloween. Astrologie, parce qu'après, j'en ai d'autres à tourner. Hein. Voilà. Donc, vous, ça commence lundi pour vous. Donc, demain pour vous. Pendant 15 jours. Samedi. Je vais essayer, si j'ai le temps, je ne vous promets rien, de filmer un réel avec la Virgo, puisque j'ai déjà fait le make-up. Donc j'essaierai de vous mettre un réel pour continuer la série. Et voilà. Ouais, je n'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui. Donc là, j'attends de voir si je vais recevoir ma commande aujourd'hui. Je vais déjà les fumer. Oh là 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 là, je suis fatiguée, je suis réveillée depuis 3 heures, je vous rappelle, 3 heures. Donc vous voyez ma planche à repasser et mon panier de linge là. Voilà. Ouais. Je vais attendre de voir si j'ai ma commande. Et c'est tout. Je dois recevoir Nox aussi.
J'attends plusieurs colis, mais il n'y a rien qui arrive en fait. Bon, Nox, ils ne l'ont posté que ce week-end, donc c'est normal, je l'aurai dans la semaine. De toute façon, la promo de Saint-Valentin commence que samedi, du 5 au 13, il me semble. Attendez, je revérifie mon mail. Du 5 au 12. Voilà. 14% de réduction avec votre code ou lien d'affiliation sur tous les produits non réduits. Ça, vous savez, je vous affiche le code. Vous pouvez préparer vos paniers si vous voulez. Après, c'est pas une énorme réduction par rapport aux 10% d'habitude, mais bon, c'est toujours 4% en plus, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous en voulez, c'est le moment. Et voilà, j'attends les lentilles toujours, mais j'ai plus de nouvelles. Donc, écoutez, on verra bien si je les reçois ou pas. Hein. J'espère, parce que j'ai envie de tester maintenant. Et donc j'attends Shein, Nox, les lentilles. Et là ce matin, j'ai hésité à refaire une commande Shein encore, mais je vais attendre de recevoir ma deuxième pour pouvoir tester le fond de teint, voir si la teinte me convient. Comme ça, à ce moment-là, je recommande encore. Mais c'est pour des trucs pour des vidéos. Je sais plus ce que j'ai mis dans mon panier. Attendez, bon, je vais vous dire. Et il faut que j'arrête avec Chine. Il faudrait que j'arrête d'aller sur ce site. J'y arrive pas. C'est devenu une drogue. Je vais même presque plus sur AliExpress, tellement je suis tout le temps sur Chine en fait. Ouais, c'est principalement des papillons. Et encore des élastiques cheveux, mais j'exagère avec les élastiques cheveux. Mais il y a un gobelet que j'ai vu, un gobelet pour le café, mais il n'en reste plus qu'un, donc j'aimerais bien commander. C'est marqué Coffee is my best friend. Enfin, BFF. C'est trop génial. Et un tapis de souris avec un cerf dessus. Voilà. Mais bon. Je vais peut-être commander quand même en fait. Et des papillons pour mettre, ben pour faire une couronne pour le thème papillon quand il tirera au sort. Parce que oui, je ferai les tirages au sort avec mon programme de tirage au sort comme je fais pour les palettes. Je ferai pareil pour les queens. Voilà. Mais je pense que je vais quand même le commander avant qu'il n'y ait plus le gobelet. Parce que ça m'énerverait qu'il n'y ait plus le gobelet en fait. Ouais. Son fond de teint, au pire, si c'est pas la bonne teinte, je revends sur. Sur truc, surtout que j'ai un code promo encore qui va bientôt expirer d'ailleurs. Ouais, allez, je vais faire ça. Bon, il n'y aura pas grand chose à vous montrer, donc cette commande-là, je vous montrerai dans un vlog. Hein, vous n'allez pas m'en vouloir, je suppose. Vous n'êtes pas fâché. Hein. Non. Après, j'en ai pas pour beaucoup. Je vais vous dire, tiens, je vais valider mon panier avec vous. Faut que je vois si j'ai encore les frais de port offerts avec la réduction, le code promo. J'ai 95 points. Est-ce que je les prends ou pas? Ah, il me faut 45 euros pour avoir le code. Et je suis à 44. Oh! Bon, ben, je vais regarder à ça, et puis de toute façon, vous aurez le haul quand je recevrai le colis. Je vais regarder à ça, je vais aller filmer ma vidéo, et voilà. Je ne sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou si ensuite le jour, mais on verra bien comment la journée va évoluer. Parce que comme je suis réveillé depuis 3 heures, je vais quand même aller faire une sieste. Hein. Voilà, j'en fais déjà quand je me réveille à 6 heures, donc à 3 heures, vous vous doutez bien que je vais aller dormir. Et je dois attendre qu'Enzo y rentre pour lui ouvrir la porte. Donc voilà. Et je vais attendre le facteur de toute façon, donc ça sera après le facteur. Allez, quoi qu'il en soit, on switch ce moment, ce jour. Cucu, alors il est un peu plus de 8 h et là je suis en train de m'occuper des chichous. Donc ici vous avez mes mercunis qui attend que je lui donne à manger à la main. J'adore quand les voir manger. Je viens de. Non, 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 non. Attends, attends, attends. Non, non, non. Cunis, attends. Je vais en chercher. Bouge-toi. Donc voilà, je prends. Alors Cunis, elle adore ceux-là. C'est des noisettes, je crois. T'es où? Tiens, Cuny. Cuny. Un camion de poubelle. Voilà, Cuny adore que. Non, 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 non. Mais elle essaie de se barrer en plus.
adore que je la nourrisse à la main. Alors, au goût, c'est les bananes. Alors, normalement, ils ne sont pas censés manger des mélanges comme ça. Hein. Bonjour, pépé coucou. Bonjour, pépé coucou. Mais moi, ils ont été habitués comme ça à la naissance. Donc, enfin, à la naissance. Chez les anciens propriétaires. Donc, du coup, ben, ils acceptent pas. Normalement, ils sont censés manger que les vertes. Mais, vous voyez, c'est ça qu'ils aiment pas. Ça va, mon pépé? Attends, je regarde, mais il n'y a plus de bananes. J'en ai donné une à Cuny, puis elle l'a balancée. Je cherche. Tiens, il y a un bout de je sais pas quoi, là. Ah, ben, c'est Cuny, ça. Hop, elle va bien se servir. Cuny adore que je la nourrisse à la main. Tiens, tu veux, mon gourou? Attends, Luna, attends, je vais en chercher aussi. Tiens, Luna. Luna. Tiens. Donc, voilà. Mais j'adore les voir manger. Je viens de leur mettre du foin. Ils avaient renversé toutes leurs graines et leur foin. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils sont en train de jouer avec leur rouleau d'essuie-tout là depuis tout à l'heure. C'est trop mignon quand ça mange. Bonjour pépé Luna. Bonjour. T'es trop près là. T'es trop près. Non, mais pas les pattes sur le téléphone, s'il te plaît. Tire-toi. Tire-toi. Non, tu manges pas à la coque du téléphone. Attends, je te recherche le truc. Non, pas mon téléphone, Queenie. Tiens, c'est un que t'aimes bien, ça. Non, non, tu sors pas. Je vais devoir fermer parce qu'ils vont fuguer. Tu vas comme ça? J'adore. Madame fait son tri. Et là encore, c'est dès qu'elle aime bien, mais quand elle aime pas, elle jette. Bon. Je vous reprends en face cam avant qu'elle se barre, celle-ci. Je vous reprends en face cam. On va cracher le rasoir pour le nez. Enfin, l'espèce de rasoir électrique là. Allez, je ferme parce qu'ils vont se sauver. Donc, attendez, je m'installe. Je suis arrivée depuis 5 heures. Oui, je ne sais pas pourquoi je me lève si tôt en ce moment. Enfin, 5 heures, c'est mieux que 3 heures. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que du coup, pendant la nuit, j'ai fait une vente Vinted. Donc, j'ai eu le temps de préparer le colis avant que chéri parte. Comme ça, comme il les prend avec quand il part travailler pour aller les livrer, les déposer quand il revient. Donc, du coup, ça m'arrange. Parce que c'est quand même une vente à 35 boules. Donc, voilà. J'ai un peu peur là qu'il y ait quelqu'un qui me fasse faux bon, qui a acheté un lot. Et c'est une personne qui a zéro évaluation. Donc je pars toujours du principe que quand moi j'avais zéro évaluation, il y en a quand même qui ont accepté d'acheter ou de vendre. Donc je ne me base pas là-dessus. Mais je dis que je poste le colis lundi ou mardi et que hier elle m'envoie un message pour me dire « Vous avez déjà envoyé le colis ?» Je me dis, soit elle est pressée et qu'elle n'a pas de patience alors que je suis dans les temps, soit elle va me dire, je préfère réannuler. Donc mes boutons, ils sont plus en relief, hein, mais je garde toujours des traces rouges. Là, j'ai mis Blizobétadine un peu pour essayer de continuer à désinfecter parce que j'ai toujours de l'infection quand j'ai un bouton de fièvre. Le bouton de fièvre en lui-même reste pas longtemps, mais après j'ai de l'infection. Donc là, l'isobétadine, ça désinfecte, ça assèche et en même temps, ça fait une pellicule de protection. J'ai Mamie Cachou qui m'a dit sous une vidéo d'éviter de mettre du rouge à lèvres quand j'ai des boutons. Alors, c'est pas les premiers boutons que j'ai. Hein, voilà, j'en ai depuis que j'ai 16 ans. J'en avais jamais eu un avant et Noël de mes 16 ans, j'en avais eu plein, mais plein, la bouche. Le médecin n'avait jamais vu un truc pareil, j'avais vu une bouffe gouffe. Hein. On s'est amusé à les compter. J'avais plus de 30 boutons de fièvre sur toute la bouche en fait. J'arrivais plus à manger, plus rien. J'arrivais plus à ouvrir la bouche. J'étais dans un état pitoyable. Et ça, c'était juste un peu avant Noël. Sympa. Voilà, donc hier, j'ai validé ma commande Chine. Encore. Voilà, donc bon, je vous l'ai dit, j'ai pas pris grand chose. Attendez, je vais reprendre mon truc, je vais vous dire ce que j'ai pris. Là, j'attends de voir si je reçois la deuxième partie aujourd'hui.
si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, je pense. Demain, je reçois Nox aussi, et probablement le cadeau de Marie, c'est mon cadeau d'anniversaire qu'il a envoyé hier. Donc, normalement, il faut compter 2 jours quand ils ne sont pas en retard. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris 3 francs de teint fer, donc j'espère que la teinte me conviendra, sinon je les revendrai, c'est pas très grave. J'ai pris 1, 2, 3 des stickers 3D papillons pour faire une couronne pour quand je tomberai sur la queen des papillons et pour mettre sur mon cerf en été aussi, qui est dans mon fond. J'ai commandé le gobelet, c'est pour ça que j'ai commandé aussi vite, c'est parce que c'était le dernier exemplaire. Le tapis de souris avec le cerf et j'ai pris 2 lots de faux piercings et un autre accessoire pour la vidéo des papillons et 2 lots d'élastiques colorés. 2000 pièces cette fois-ci. J'en ai 2 de 5000, 2 ou 3 de 5000 qui vont arriver, hein, mais voilà, c'est des autres couleurs donc. Et ouais, les faux piercings, j'ai pris parce que je me tâte à faire un piercing ici. Comment ça s'appelle ? Là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me tâte vraiment parce que ça fait super mal. Mais ma nièce l'a fait, c'est super beau. Ça fait longtemps que j'aimerais bien, mais bon, vous voyez bien que moi, les boucles d'oreilles, déjà, j'ai 2 trous à chaque oreille. J'en mets plus depuis des années. J'ai eu 2 piercings au nez, je les mets plus. J'ai eu celui-ci, je ne mets plus. Nombril, il s'est infecté. Ça s'infecte toujours chez moi, les piercings. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça beau. Et moi, j'aime bien en fait les boucles d'oreilles que. Bah, j'aime bien les bijoux en général que vous laissez, quoi. Que vous n'avez pas besoin d'enlever ni pour la douche, ni pour dormir. Donc, je sais pas. Je me suis toujours tâtée et je verrai si j'aime bien ou pas. Tout simplement. Donc voilà pour ma commande Shein et j'ai acheté 4 trucs sur Vinted aussi, pas bien cher, je suis bien contente du prix que j'ai trouvé. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog puisque je les aurai à mon avis vendredi. J'ai pris la poudre chérie, comme ça. J'ai pas pris la banana parce que c'est une poudre jaune et j'aime pas les poudres jaunes. Mais j'ai pris la nouvelle, la chérie, puisque moi je trouve jamais les nouveautés comme ça dans mon action. Donc, et comme Manon les a pas encore trouvées, parce que les premières que j'ai testées comme ça, c'est Manon qui les avait trouvées. Et j'en ai racheté sur Vinted du coup. Mais du coup, comme elle les avait pas encore trouvées pour pouvoir la tester, après je ferai pas une fixette dessus à la racheter, puisque j'ai un stock incroyable de ces deux-là et de celle de Shiglam. Mais je voulais la tester et voir si elle sentait bien la cerise, parce que c'est une odeur que j'aime beaucoup. J'aime pas les cerises, mais j'aime beaucoup l'odeur. Voilà. Donc écoutez, on va faire notre premier crash test de la semaine. Si je reçois ma commande Shein, on testera les quelques petits accessoires que j'ai achetés. J'ai commandé des éponges, le nouveau fond de teint, enfin la nouvelle teinte. Un pinceau pour remplacer, pour voir s'il est aussi bien que celui que j'utilise chez Zoeva pour appliquer la base, qui est le 146 que Manon m'avait offert. Il bouge, il faut que chérie me l'enlève pour me le recoller. Et j'en ai trouvé un qui lui ressemble pas mal, qui a l'air un peu plus petit, mais comme ça, ça peut vous donner une alternative si vous voulez pas mettre le prix dans Zoeva. Et moi, j'en aurai un autre pour switcher. Et là, on va tester la tondeuse. Pour les poils de nez, voilà. Après, je ferai mon teint. J'ai déjà tout préparé. Je ferai mon teint après, tranquille. Donc, ça va faire un bruit chez vous. Alors, j'ai mis, c'est bien une pile AA, mais les rechargeables ne rentrent pas dedans. Donc, je suis obligée de mettre une qui n'est pas rechargeable. Ça, c'est chiant. Et les rechargeables, elles ne rentrent pas dedans. Enfin, quoi que je pourrais essayer avec une autre. J'essayerai plus tard. On va faire avec une pile normale. Donc, c'est très gadget le Bitonio. Bon, vous êtes prêts? Je vais zoomer un peu. Ça, vous voyez plus maintenant, je suis repassé. On entend que ça coupe en tout cas. Ouais, c'est pas. Ça sent cramé en plus. Il chauffe un peu le bazar.
Bon, c'est super gadget, hein. Je vous conseille d'aller acheter une plus chère quand même. Hein. Ça fonctionne pas des masses. Hein. J'ai pas l'impression que ça m'a enlevé beaucoup de poils. Hein. Ne causez pas. Ça sert pas à grand chose. Mais vous allez voir ma planche à repasser qui risque de traîner là toute la semaine. Ben voilà, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. On verra ce que je reçois. Ah oui, je me suis commandé un truc sur Amazon aussi. Madame ne disait pas qu'elle devait acheter moins, mais bon. En fait, vous savez, je devais avoir la montre connectée avec le téléphone que je n'ai jamais eu. Que chérie a d'ailleurs toujours pas envoyé de mail d'ailleurs. Et du coup, j'en ai trouvé une qui me plaisait bien sur Amazon. Donc je me la suis pris. J'ai bien vendu sur Vinted déjà. Donc je me suis dit, hop, je me fais plaisir. En fait, ça m'intéresse beaucoup pour voir pour mon sommeil. Voir un peu où, parce que bon, il y a le truc de gestion du sommeil là. Hein, et j'aimerais bien voir si ça peut m'aider à comprendre les heures où je me réveille, voir comment je dors en fait. Parce que là, j'en peux plus de faire des insomnies à ce point-là. C'est un truc de fou quoi. Je suis épuisé moi. Je suis montée hier à minuit, à 5h, je t'ai réveillée, j'étais fraîche comme un garçon. Je comprends pas. Bon, mon colis n'a pas l'air de bouger, je vais attendre 9h. Souvent, ça se réactive à 9h. Enfin, ça s'actualise à 9h. Là, je vais faire mon teint, je suis sur Netflix en ce moment, je suis en train de regarder un peu des films. Là, je suis en train de regarder Prédiction avec Nicolas Cage. J'aime beaucoup ce film-là. Et voilà, donc je vais faire mon teint en même temps et... Si je reçois des colis intéressants, je vous reprends pour vous les montrer. Sinon, bah, on switch déjà deux jours. Alors, il est 7h19. Bon, je suis crevée, comme d'hab. Hein. Je crois que je vais arrêter de vous répéter ça tous les matins. J'ai un peu plus dormi. J'ai dormi 5 heures, je crois. Donc, bon, un peu comme hier. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas filmer. J'attends. Je reçois ma deuxième commande Shein aujourd'hui. Donc. Je vais attendre le facteur, je vais attendre mes colis et il faut que je fasse mon ménage. Donc ça sera journée ménage et semi-glandage, puisqu'il faut que je fasse des pauses hein, entre chaque étape du ménage, parce que sinon je ne tiens pas. Il faut que je refasse mes ongles aussi et je vais faire des petits masques. Donc là, ce que je vais faire mon gommage et mon premier masque sur l'argile de Victoria's Secret. Je vais aller mettre mon poil aussi. J'essaie d'économiser les pelets parce qu'il n'y en a plus beaucoup dedans et chérie, on ramène que ce soir. Voilà, mais j'ai quand même allumé là parce que j'ai froid. Normalement, je suis censé recevoir Nox aussi, donc je vous reprendrai pour vous montrer ce que j'ai pris et vous donner plus d'infos sur le code, enfin, sur les dates exactes du code promo qui sera à 14%. Puisque, attendez, le vlog il sort là. Et ça commence vendredi. Ouais, donc il faudra que je pense à vous le rappeler dans le prochain vlog quand même. Ouais, donc aujourd'hui ça va être soin et ouais, refaire mes ongles. Donc je vous reprendrai quand j'aurai fini. Je ferai entre les pauses ménage une main, puis une autre. Enfin, puis l'autre. De toute façon, j'en ai que deux. Oh, mais je dis n'importe quoi. Je vous reprendrai pour vous montrer Nox si je le reçois. Je ne sais pas le colis de Maryse où ce qu'il en est. Là j'attends 8h, ça s'actualise entre soit à 8h soit à 9h les suivis bipost. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Donc là je vais commencer à faire ce que j'ai à faire parce que sinon, puisqu'il me faut la journée hein, pour nettoyer, je dois faire des pauses à cause de mes douleurs et de ma tête qui tourne. Je sais pas c'est lequel qui est motivé. Ah bah c'est fini, hein, il faut le bordel comme d'hab. Hein. Ils ont encore viré tout le foin. Et retourné toutes les graines. Ils n'aiment pas ces graines-là. Mais j'arrive pas à trouver en gros paquet celles qu'ils aiment bien. Et on les trouve pas facilement. Il faudrait que je regarde un peu sur internet. J'avais déjà regardé une fois, mais... Ou alors j'écris directement à la marque. Pour voir si ça existe en gros paquet. Ouais, ça je peux faire aussi si je les trouve pas. Voilà. Bref, donc bah écoutez, moi je vais commencer mes petits soins, mon petit ménage.
allumer le poêle, me refaire un café et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer mes ongles et les colis que j'aurais reçus si j'en reçois d'autres que Chine, parce que si je reçois que Chine, vous avez déjà eu le haul. Moi, je l'ai programmé pour demain pour moi, puisque je vais le filmer demain matin. Et voilà. Alors, pour les crash tests, je vous ai mis un sondage sur Insta, voir si vous les vouliez dans un vlog ou en vidéo bonus le 12. Et ça a été en grosse majorité le 12, en vidéo bonus. Donc vous l'aurez le 12 février, après la série des palettes astrologie, vu qu'elle commence demain pour vous. J'ai hâte que vous les voyez. J'ai hâte de les terminer aussi. Et voilà, c'est tout. Je réfléchis, hein, mais j'ai du mal à réfléchir. Ouais, j'ai déjà commencé par me refaire un café. C'est la priorité des choses à faire parce que faut que je me réveille. Je vais me le mettre en intraveineuse, je crois. Donc, ben, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 9h. Voilà, je vais me refaire un café. Je vais manger un bout aussi. J'ai de l'acidité à mort. Je viens de faire ma première main, donc je vous montre. S'il veut bien faire le focus un peu mieux. Voilà, donc j'ai juste mis mon vernis, je crois que c'est le préféré, le Glamour Green de Ongle 24 et les traits j'ai fait avec le Platinum Silver, toujours donc le 24. Voilà. J'ai pas fait trop, j'ai juste, voilà, j'ai fait du soft, enfin soft, ça dépend pour qui. Là, c'est confirmé Chine, je le reçois aujourd'hui. Les autres, ça n'a pas l'air de bouger, donc je sais pas. Ça sera surprise, surprise. Quand le facteur viendra sonner, Nox, je suis censée le recevoir aujourd'hui. C'est bien noté mercredi 21, 26. Mais il n'est pas en mouvement, donc je ne sais pas où ce qu'on en est. On verra bien d'ici là. Voilà, donc là je vais manger quelques biscottes, j'ai trop d'acidité, il faut que je mange un bout pour que ça se calme. Et j'ai recommencé les 100 sur Netflix, voilà. Je savais plus quoi regarder, trop quoi regarder, donc j'ai fait ça. Enfin, je regarde ça. Oh là là là, je vais vous foutre la flemme avec ma momoditude. Ah oui, j'ai fait une vente vintage, il faudrait que je prépare ça aussi. Avec ma momolitude puissance 15, hein. J'ai hâte d'aller à la sieste. Bref. Bon. Je regarde encore un épisode en mangeant. Je me refais un café. Je ferai mon autre main. Et puis j'achèverai un petit peu mon petit ménage. Et voilà. Alors, il est 9h09. Attendez, je range mon crayon avant d'oublier. Je vous ai pas repris hier parce que finalement, j'ai reçu que ma commande Shein, que je vais filmer le haul maintenant. Je viens de tourner cette vidéo. Je suis motivée ce matin. J'ai été motivée, très motivée cette nuit aussi. Je me suis réveillée à 2h. Enfin, le chat m'a réveillée à 2h. Du coup, je suis descendue. Je me suis fait un café et j'ai commencé une colis. Voilà, donc j'ai fait mon ménage jusqu'à 4h au matin. Et je me suis réveillée après, je me suis rendormie après jusqu'à 6h30, heure de l'école. Voilà, donc là je me prépare à tourner la deuxième partie du Shein. Donc je fais du bruit avec mon téléphone, ça chouette. C'est quoi ça? C'est un papier. Voilà. J'ai tout sorti comme ça. Ah ben je vais sortir aussi le fond de teint pour pouvoir comparer les deux teintes. Ok. Ben moi je vais tourner ça. Après il faut que je recharge mon appareil. Donc je vais faire le montage pour parce que le haul sort ce soir pour vous quand même. Donc il faut que je m'active un peu. Et je vous reprends après en bas pour ouvrir mes colis parce que je reçois tous mes colis aujourd'hui. Je reçois mon cadeau d'anniversaire de Maryse, Nox et ma montre Amazon. Donc on ouvrira tout ça ensemble juste après. Voilà, puis entre-temps je vais faire mon montage, reboire un café encore. J'ai déjà bu 5 litres de café depuis 2h ce matin. Et qu'est-ce que je voulais dire encore?
Et je continue un petit peu de ménage aussi, entre temps. Donc là, je vais vite filmer le haut, avant que j'ai plus de batterie. Et on se retrouve en bas tout de suite pour vous. Donc, il est 11h. J'ai mis ma veste tellement j'ai froid. Je suis surgelée, mais c'est parce que je suis fatiguée. Donc, c'est normal. Et j'ai rattaché mes cheveux pour déballer mes colis avec vous. Et là, vous voyez les loups qui me collent. Elle attend d'aller à la sieste aussi. Là, c'est ce que je vais faire juste après ça. Et après, il ne faut pas que j'oublie de faire la barre d'infos des produits de chez Shein. Donc, on va commencer par ma montre de chez Amazon. Donc, la boîte se présente comme ceci. Alors, attendez, j'ai préparé tout ce qu'il faut. Hein. Cutter, ciseaux, parce qu'après, il y a celui de Maryse. Hein. C'est d'abord l'Ox et puis celui de Maryse. Donc il y a le petit livret, il y a, elle se présente comme ça à l'intérieur, il y a le truc pour charger et la montre. Alors je ne vais pas y regarder maintenant, je regarderai ce soir tranquille parce que là je suis trop fatiguée pour réfléchir à ça. Et je vous expliquerai un peu demain ce qu'il en est. Donc vous avez le petit papier de protection. En tout cas c'est très quali. Hein. Donc, je la montre, elle est comme ça. Voilà. Et j'ai pris un bracelet rose. Et c'est sympa. Donc vous avez les capteurs derrière. Je verrai ce que ça donne. Franchement, j'espère que ça va m'aider pour mon sommeil. Pour savoir où est le problème. Et aussi parce que j'ai énormément de palpitations ces derniers temps. Donc il faut que je regarde s'il y a un programme pour suivre les battements du cœur. Je pense que ça doit y avoir ça dessus. Donc voilà, je vous la montrerai plus en détail demain. Donc on va passer à Nox. Bon, Lilou, tu me lâches la trappe, hein. Attends, on va se couper. Donc voilà, toujours bien emballé, mais toujours avec des chreleux, là, ça, j'aime pas trop. Donc, pour le code de Saint-Valentin, il vous donnera droit à 14% sur tous les produits non réduits du 5 au 12 février. Donc, je vous rappellerai dans le prochain vlog. Je vous affiche le code ici, et entre ces périodes-là, il vous apporte 10%. Et il me donne 10% à moi aussi. Donc j'ai repris un diffuseur, un cadeau. On va attendre parce qu'il y a tous les cheveux qui sont rentrés à l'intérieur. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que on n'a pas pu. Vous avez le choix entre plusieurs senteurs. Moi j'ai pris boîte santal, mais il n'y a pas comment. Je vous mets les liens, bien sûr, en barre d'infos de ce que j'ai pris. Il n'y a pas les... Comment ça s'appelle? Les parfums basiques, comme quand j'ai eu le coffret cadeau. Là j'avais pu choisir le parfum que je voulais mettre dedans. Là, c'est pas le cas. Et donc, le truc se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si... Ouais, il est déjà rempli. Alors, je ne vais pas l'ouvrir. Ils sont super bons. Oh, j'adore. Le bois de santal, j'aime beaucoup. Et vous avez donc les 5 tigettes Mikado qui sont blanches. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que pour l'instant j'en ai un autre là. Donc je vais attendre que celui-là soit fini. Il vient de chez Action. Hein. Mais ceux-ci sentent vraiment bon. Donc c'est le prochain que je mettrai. Je suis fatiguée, hein. Je suis désolée. Mais... faire le ménage la nuit, c'est pas une bonne idée, hein, j'ai. Et j'ai donc pris deux parfums. Donc, d'abord j'ai repris celui de Georges, le Wanted de Dazzaro, hein, qui ressemble au Wanted de Dazzaro parce qu'il se l'est fait carotter celui qu'il avait dans la copine de son frère. Voilà, tellement elle a craqué dessus. Elle lui a piqué. Il lui a demandé, hein, il lui a pas volé non plus, hein, il lui a donné.
Donc c'est le 246, donc je ne vais pas l'ouvrir, voilà. Je suis là, c'est avec un capuchon doré, non, argenté pour les messieurs et doré pour les madames. Je m'en suis pris un pour moi. Alors les notes sont quand même notes de tête, citron, gingembre, lavande et menthe. Note de cœur, cardamome de Guatemala, genévrier, pomme et géranium. Note de fond, vétiver, Tahiti, fève de tonka et amberwood. Donc, bois d'ambre, non ? Amberwood, enfin bref. Et moi, j'ai pris le 023, qui est l'ultraviolet de Paco Rabanne. Alors, les notes sont notes de tête, abricot, coriandre, poivre, amande fraîche, poivron. Jamais vu ça, poivron. Orange, piment. Je vais sentir la salade de légumes. Palissandre du Brésil. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Note de cœur, osmanthus du Japon, violette, jasmin, rose. Note de fond, ambre, patchouli, vanille et cèdre. Donc, ambre, patchouli et cèdre sont trois de mes odeurs préférées. Et la violette, j'aime beaucoup aussi. L'amande aussi, d'ailleurs. Oh! Oh, ils sont bons. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà pour mes petits parfums Nox. C'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre à chaque fois parce que, je vous l'ai déjà dit, moi, j'utilise pas énormément de parfums. Mais... en fait, je voulais prendre le Luna de Nina Ricci, vu que le mien avait tourné, mais ils ne l'ont pas. Donc, il faudra que je leur demande quand même, voir quand est-ce qu'ils vont le faire. Oh, mais ils sont super bons. Donc, celui-là, pour le printemps-été, je vais adorer. Et on peut passer à celui de Maryse, qui a marqué un gros joyeux anniversaire dessus. Donc, limite, le facteur, il est en train de me lancer des confettis, là, devant la porte. Je lui ai dit non, c'est toujours. Mais le truc est énorme. Après, c'est parce qu'il y a le tableau dedans. Je sais pas si vous allez voir la taille. Le colis est immense. Alors, elle a encore mis son fameux Chatterton que je n'arrive jamais à enlever. Donc, j'enlève ça et je reviens. Elle me tue. Donc, il y a le tableau, il est en dessous. On regardera après. Elle m'a offert trois paires de pantoufles. Alors. Il y a tout d'abord celle-ci, Welcome Home, avec un petit chagrin. Elles sont trop belles. Et en plus, c'est des grosses semelles comme j'aime bien. On sent 40-41, donc elles risquent d'être un peu grandes. Mais bon, une fois qu'elles ne tiendront plus au pied, c'est pas grave. Il y a une paire de clapettes comme ça, avec des couronnes. Excellent. Et une troisième paire. Attends, c'est là. Ah, il y a quelque chose encore. Hein. Ah oui, ça, c'est elle avait dit qu'elle m'enverrait. Encore avec une couronne et un pompon. Excellent. J'adore. Ah, tu viens de me faire mon stock de pantoufles pour la nuit, là. C'est excellent. Alors ça, c'est un produit qu'elle avait dit qu'elle me donnerait parce qu'elle ne l'aimait pas. Et que moi, comme j'avais beaucoup aimé le quad qu'elle m'avait donné, de chez Hourglass, c'est une ambiante palette Universe. Je crois que c'est la teinte, hein, Universe. Je ne suis pas sûre. Donc vous avez une finish powder, un blush lumineux, un bronzer, listening, donc il doit y avoir des paillettes, un strobe bronzer, et un blush. Le packaging est super beau. Hein. Alors, attendez, j'essaie de l'ouvrir. Alors, je vois pas trop la peau, c'est censé être celui-là, mais ça a l'air super pailleté. Elle avait dit, hein, je te le donne parce que c'est trop pailleté pour moi. Le blush, je sens que je vais adorer les deux. Ils sont superbement beaux. Elle n'a pas dû les utiliser beaucoup. Hein.
Le blush, c'est le genre de teinte que j'adore. Ça, ça doit être la poudre. Alors, le bronzer, il est très chaud et très lumineux. Ou c'est ça, la poudre. Je sais pas, faut que je le teste, mais j'adore ces petits trucs. Alors, je m'essuie après mon pyjama, hein, on s'en fout. Et le fardeau avec Calbi. Je vérifie parce qu'avec elle on est à l'abri de rien. C'est moi. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est douée. J'adore. Je vais pas mettre son teint dessus. Oh, il est trop beau. Trop beau. J'aime trop. Celui-là, je vais le mettre au-dessus de mon bureau, je crois. Il est plus grand que l'autre en plus. Il est trop beau. Je voulais le mettre en fond, mais je sais pas si je vais le mettre en fond. Je préfère l'avoir ici tout le temps, près de moi. J'adore. Maman. Merci, c'est adorable. Les pantoufles, ça me fait trop rire. Et le tableau me touche énormément, donc voilà. Donc merci Maryse de penser toujours à moi comme ça. C'est tellement adorable, ça me touche énormément. Je suis toujours super gâtée de ta part. Et à chaque fois, tu trouves des trucs que tu sais que j'aime, même si c'est pas du make-up. Tu sais que je vais y aimer, donc là, les pantoufles et un Bambi. Tu pouvais pas faire mieux, quoi. Tu pouvais pas faire mieux. Et je suis trop touchée. Merci. Le cadre est sublime. Je vais le mettre là au-dessus de mon bureau. Comme ça, je penserai à toi tous les jours et toute la journée. Bon, je pense déjà à toi tout le temps, mais comme ça, ça sera encore plus. Donc voilà, bon. Je vais lui envoyer un petit message pour la remercier et... Et c'est tout. Moi, j'allais me coucher, surtout, parce que là, il faut que je dorme. Je suis épuisée. Et demain, comme c'est le dernier jour du vlog, je vous expliquerai un peu la montre et tout ça. Et dans le prochain vlog, je vous expliquerai un peu ce que j'en pense. Enfin, je vous donnerai un avis un peu plus global si vous voulez attendre, si jamais elle vous intéresse. Parce que bon, c'est quand même 43€. C'est pas donné. C'est pas hyper cher non plus, hein, quand on voit à côté d'une Apple Watch. Quand j'ai eu l'iPhone, je voulais une montre. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit, je ne veux plus la montre. Hein. Donc là, je suis bien contente. C'est une spéciale sport, mais il y a quand même toutes les applications. Après, il y a plein de teintes, mais elles ne sont pas toutes dispo sur Amazon. Voilà pour ça. Donc ça, on en reparlera demain. Moi, je réglerai ça ce soir, bien tranquille, quand je fais sortir les chichous au soir, dans mon petit canapé. Avec eux qui vont me faire chier, mais au moins je serai un peu moins fatiguée. Donc on switch du jour. Alors il est 10h51. Je vous prends plus tard que d'habitude parce que je viens de me réveiller. J'ai été me recoucher ce matin quand je suis partie à l'école parce que je n'en pouvais plus. Je t'ai réveillée depuis 3h30. Ouais, je crois que je suis descendue vers 4h-10, un truc comme ça. Donc, entre temps, j'ai fait un montage, j'ai rangé, toujours pas le carton de Maryse, hein, qui traîne là, que j'ai centré pour pas que vous le voyez. Mais voilà, là, j'ai hâte de me réveiller, enfin, ça fait un peu plus d'une demi-heure. Je vais faire mon teint tranquillou bilou et aller filmer quand même ma vidéo. Je pensais pas filmer aujourd'hui, mais là, je me suis réveillée en forme. Donc, je vais en profiter tant que je suis en forme pour aller filmer. Et voilà. Donc le planning de la semaine dernière, je crois que je vous l'ai déjà donné, mais de toute façon c'est très facile, c'est soit chaîne make-up des palettes astrologiques toute la semaine, sauf le dimanche, le weekly vlog. Et mes boutons, vous pouvez voir que ça va un peu mieux, mais ils n'arrêtent pas de saigner en ce moment. Bah oui, j'arrache les croûtes, hein, comme d'hab.
Donc pour la montre, écoutez, vous dire maintenant si ça vaut le coup ou pas, je peux pas franchement vous le dire, mais elle est pas mal. Franchement, il y a certainement quelques petits trucs en plus qui pourraient être bien. Moi, j'étais aussi intéressée par la fonction pour prendre des photos, m'en servir comme interrupteur, enfin déclencheur de photos. Bon, j'ai les petites télécommandes Bluetooth là, hein, qu'on a tout le temps. Sauf qu'il faut secouer le bracelet pour prendre la photo. Donc je me vois mal être en photo comme ça et puis, vous voyez, enfin, vous bougez. J'aurais préféré que ce soit un truc à appuyer. C'est pas le cas. Vous avez un podomètre. Donc je vais essayer de vous montrer. Je vais. Hop. Vous avez donc un podomètre. Voilà, j'ai déjà fait 1200 pas depuis que je suis réveillée ce matin. Ici, ça calcule votre battement de cœur. Donc ça, c'est bien. Ça me donne mes pics. Ça, je ne sais pas. Ça doit être la pression de l'air dans le sang. Ça, je ne sais pas. La température, donc là, elle l'a pas reprise. Mais j'étais à 37. Donc j'ai de la fièvre. Et ça, c'est le truc du sommeil. Alors, c'est le truc que je comprends pas. Là, il marque 6h22, mais j'ai jamais dormi 6h22. Sommeil lourd et sommeil léger. Et franchement, il est pas mal. De l'autre côté, vous avez les réglages ici pour le sport, la musique, un minuteur, un compte à rebours. Trouver le cadran, c'est pour revenir au truc, la luminosité. Trouver le téléphone, la lampe de poche et les paramètres. Ici, alors je pensais que la fonction ici c'était la nuit, donc enfin oui, c'est la nuit forcément, mais que c'était pour mettre comment pour que pas que la montre s'allume quand vous bougez, mais c'est pas le cas. Je sais pas, tout ça c'est Ah, Amy vient de m'acheter mes poudres, j'ai eu son message. Elle a trouvé les poudres, chérie. Bon, j'en ai commandé une sur Vinted, mais c'est pas bien grave. Hop, revenir, et en dessous vous avez justement toutes vos notifications. Franchement, pour l'instant, je suis assez satisfaite de mon achat. Il faut juste que je comprenne encore certaines choses. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, je vais vous montrer, on a donc l'application ici, donc que vous scannez dans le petit calepin, et ça vous donne toutes les trucs. Par exemple, je sais que j'ai une pression artérielle trop haute, mais comme mon père faisait de l'hypertension, c'est à cause de ça qu'il est mort. Je pense que c'est normal. Et j'ai eu un pic de température à 37, ce qui n'est pas du tout normal chez moi. Bon, après, ils disent que ma température moyenne est de 36 degrés. Et ce n'est plus le cas du tout. En fait, j'étais à 36,6 de base de température normale avant l'opération. Et après l'opération, je suis passée à 35,8. Donc autant vous dire que 37, c'est déjà la belle température chez moi. Mais après, j'ai peut-être mon corps qui a repris ces trucs normaux. Donc ici, vous avez le dossier du sommeil. C'est ce que je vous expliquais, que je ne comprends pas. Donc vous allez m'entendre différemment puisque j'enregistre le son avec. Il dit qu'en tout, j'ai dormi 6h22. C'est pas possible. J'ai été me coucher à 10h30 et je me suis réveillée à 3h. 3h30. 1h59 de sommeil lourd, hein, sur la nuit. 3h55 de sommeil léger et éveil, là il marque 28 minutes alors que tout à l'heure c'était 47 minutes sur la nuit que je me suis réveillée. Dors trop tard et manque de sommeil, ben, ça merci de me le dire, j'étais au courant. Après vous avez, là c'est par jour, et vous avez par semaine, donc moi ça fait qu'une nuit que je dors avec, donc voilà, et par mois. Donc je verrai ça au fil du temps. Les fréquences cardiaques ici, ça vous met tout aussi sur la journée. Donc vous voyez que j'ai des pics de temps en temps. Et ça, c'est quand j'ai les pointes au cœur. Fréquence cardiaque 110, le maximum que j'ai fait, alors que je suis à 66 de base, quoi. Voilà. La pression artérielle, pareil. Je suis à 120. Alors on peut faire un. Examination de fréquence cardiaque. Ah, attendez. Pourquoi il est sur ma fréquence cardiaque là? Non, c'est la pression artérielle. Ben, on peut faire la température aussi. Donc voilà, là il est en test.
Voilà, 35,5. Vous voyez, c'est ça la température que j'ai normalement. Pression artérielle commencée. Bah, il veut pas. Bref, enfin voilà, ça vous explique un peu. C'est pas non plus des explications de foufou. Après, j'ai beaucoup de choses encore à découvrir. Je voulais vous montrer qu'on peut personnaliser l'écran. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça qui m'a fait. Donc là, pareil, ici vous avez de nouveau tous des réglages à faire. Réglage du cadran. Quelqu'un qui... Donc là, vous avez déjà toute une sélection d'écrans. Il y en a beaucoup, hein, faut faire des filets préenregistrés. Ça, c'est un que j'avais téléchargé. Voilà, il suffit de faire synchroniser et ça vous l'installe. Enfin, que j'avais téléchargé qu'ils offrent. Et ici, vous pouvez le personnaliser. Alors, vous pouvez juste personnaliser l'image et la teinte de l'écriture. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas modifier pour bah, bouger l'heure, par exemple, le mettre en gros. Ici, vous avez juste la fréquence cardiaque, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait la météo aussi. Que sur ceux qui sont déjà préenregistrés, s'il veut bien me les afficher, vous en avez où ils vous mettent à peu près tout. Attendez, j'en cherche un. Voilà, par exemple, vous voyez celui-ci, vous avez l'heure, la date, la météo, la fréquence cardiaque, le nombre de pas et le nombre de calories brûlées aussi. Donc voilà, ça c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas le personnaliser plus en détail. Mais écoutez, voilà, j'ai un petit Bambi sur ma montre, je suis contente. Et voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog puisque j'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui. Ce week-end, il faut que je filme. Je vais faire une petite pause dans les palettes. Alors aujourd'hui, je tourne la Sagittaire. Donc il m'en restera 3 à tourner. Mais je vais tourner le crash test nouveauté demain parce qu'il faut que je change mon éponge. Donc. Eh ben. Problème avec sa voiture, celui-là. Faut que je change mon éponge, donc du coup, comme ça, je peux prendre celle-là pour continuer à me maquiller, pour pas en salir trop d'un coup. Et dimanche, je vais tourner la Queen of the Tiger, qui est pour le 16, hein, pour vous, mais comme ça, c'est fait. Ah, Amy va nous montrer ses achats. Et après, je recontinuerai les 3 vidéos qui me manquent sur la semaine, pour la semaine d'après sur les palettes. Et on en aura fini. Après, je pourrai attaquer les liners. Et voilà. Bref, hein, de toute façon, pour vous, la semaine prochaine, c'est Swatch Makeup, des palettes astrologiques, sauf le dimanche. J'ai pas encore eu le temps de tourner un réel avec la Virgo, donc je sais pas si je le ferai ou pas, je verrai quand j'aurai fini ma semaine prochaine, enfin la semaine d'après. Et voilà, je reçois plein de notifs, donc je vibre. Bon, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais faire mon teint, me coiffer, enfin me préparer pour les filmer. On se retrouve de toute façon demain et tous les jours de la semaine. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de répondre à toutes mes questions en commentaire. Je ne sais plus lesquelles je vous ai posées, mais répondez à celles que je vous ai posées. Et en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous. Wanna make sure you're right.